Le soleil va bientôt se lever. Faut que je prépare la petite vidéo pour mes abonnés. Ce serait sympa si j'arrivais à atterrir à un endroit où on peut voir le lever du soleil. Peut-être là-bas. On va voir. Tiens. Waouh, y'a du brouillard là, je vois pas, Charlie, si bobo, c'est brouillardé, terminé. Oula, oui. Train d'atterrissage en déploiement. J'ai l'impression que j'ai une fraise tagana géante derrière moi. Comment c'est d'atterrir là? Une petite plage là, ce serait bien sympathique. Dans 10 secondes. What, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ralentissement, freinage d'urgence. Non, top. Freinage. Allez, éjection. What the fuck? Salut les potos, salut tout le monde. Vous m'entendez bien là? Bon, je fais cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose d'assez important. C'est le système de crew sur ma chaîne YouTube qui évolue. Alors en fait, j'ai créé un nouveau crew. C'est un crew un peu particulier. Il s'appelle le Jean-Kevin VIP Crew. Et donc c'est un crew pour faire des vidéos, des Jean-Kevin Show, du troll, etc. C'est un trou qui est fermé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller dedans comme dans les autres crews. Il faut passer certaines épreuves. Et les seules manières de rentrer dans ce crew, c'est de nous contacter quand on est dans le jeu, Django ou moi. Quand on est dans le jeu, les autres crews sont toujours ultra utiles puisque je continue d'être dans les autres crews. C'est-à-dire que quand je fais des activités, je continue d'inviter les gens des autres crews. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est ok. Ce que je veux dire, c'était que c'était un crew particulier dans la mesure où c'est pas un crew qui a pour but d'être plein. Problème de bouche. C'est pas un crew qui a pour but d'être plein à craquer. C'est un crew au contraire. Qui est censé être tout l'inverse. Voilà, je pense qu'on prendra pas plus de 100 personnes dans ce crew. Les règles sont ultra strictes, donc pensez pas qu'il y a que 100 personnes qui vont faire du what the fuck et qui vont s'éclater. Les règles sont assez strictes puisque c'est pour faire des vidéos. Alors pourquoi j'ai été obligé de créer ce crew? Bien, tout simplement parce que quand j'essayais de faire des vidéos un peu pas scénarisées mais des gens Kevin Show, etc. sur les autres crews, je me rendais compte que les joueurs jouaient pas forcément tous le jeu. Parfois sur un Jean-Kevin Show où on est 16, il suffit qu'il y en ait deux qui écoutent pas du tout, qui crient dans le micro ou qui respectent pas les règles, et en fait toute la vidéo était foutue. Alors ça m'a déjà fait ça par exemple sur des activités où ça faisait déjà une heure que je filmais, et il y a des mecs qui font ils font tout péter au bout d'une heure, donc ils trollent un peu le délire. Sauf que la vidéo, direct, je suis obligé de la mettre à la poubelle, quoi, parce que ça ressemble à rien. Donc j'ai décidé de faire ce crew pour gagner du temps, pour faire des trucs, voilà, avec les gens qui veulent vraiment faire des vidéos. Et donc, ce crew n'est pas ouvert, mais vous pouvez, lorsque vous nous rencontrez dans le jeu, soit Django, soit moi, faire une demande pour entrer dans le crew. Donc il faut nous rencontrer, hein. De toute manière, on fait ça par le biais du jeu pour obliger un peu les joueurs à se connecter. En fait, dans ce crew-là, il y aura quasiment que des joueurs ultra actifs sur GTA V, sur PS3. C'est-à-dire que si vous vous connectez une fois par semaine, c'est pas la peine de vouloir rentrer dans ce crew. C'est vraiment un crew pour des gens qui sont souvent là, souvent connectés. D'accord ? Bon alors, je voulais dire que les règles de ce crew, donc il faut être souvent connecté, il faut avoir un micro, il faut surtout respecter un minimum les règles quand on fait des vidéos. Quand on fait pas de vidéos, à la limite on peut déconner et tout. Quand on fait des vidéos, faut respecter les règles, surtout pour les gens qui viennent chaud. Quand il y a des règles genre faut pas tirer sur son poteau, faut pas tirer sur son poteau. Et évidemment le crew est flexible, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes dans ce crew un jour que vous y resterez toujours. Il suffit que pendant un mois on s'aperçoit que vous n'êtes pas forcément connecté, et vous serez exclu du crew. C'est juste un crew pour faire des vidéos. Je me suis aperçu que dans les autres crews, en fait parfois il y a 1000 personnes, mais sur les 1000 personnes, à des heures de pointe, genre 17-18 heures, il n'y a que 40 personnes de connectées. Donc où sont les 960 autres personnes?
Je ne sais pas, mais par exemple dans le crew que l'on vient de créer, on est quoi? On est 24, 25, et sur les 25 personnes, à certaines heures, il y a quasiment tout le monde qui est connecté. Ce qui fait que bah, la partie elle est pleine alors qu'on est que 25 dans le crew. Et parfois j'arrive pas à remplir les parties sur les autres crews alors qu'il y a 1000 personnes dans le crew. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des joueurs qui se sont mis dans tous les crews. Alors ça c'est un peu relou parce que du coup vous prenez la place d'autres joueurs qui auront pas la chance de rentrer dans les crews pour vivre une aventure de troller professionnel, hein. Donc l'utilité des crews avant tout c'est pas forcément de jouer avec moi car c'est pas parce que vous êtes dans le crew que vous allez me croiser, si ça dépend de à quelle heure vous jouez, si vous jouez beaucoup, etc. Mais au moins les crews vous permettent de vivre une aventure entre gens qui aiment un peu troller, qui aiment un peu un certain délire. Ça vous permet de vous faire des amis, de faire des rencontres, et peut-être après de me rencontrer dans une partie. Et si vous me rencontrez dans une partie, dans ce cas-là, vous pouvez me dire, tiens, je voudrais passer les examens d'entrée. Parce qu'il y a des examens, il y a des tests, il y a des activités de test pour entrer dans le Jean Kevin VIP Club. Et voilà, vous pouvez me faire une demande quand vous êtes dans le jeu. Hein. Et quand on est dans la même partie, ne m'envoyez pas 45 millions de demandes. Vous pouvez en envoyer aussi à Django Maximoff. Hein. Ok? Sinon, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, tous les crews sont pleins, maintenant on fait quoi? Voilà, donc plutôt que de modérer les crews un par un, je me suis dit, ok les gars, tous ceux qui regardent cette vidéo, vous pouvez créer un crew au nom de Jean-Kevin. Donc vous pouvez faire un Jean-Kevin Style Club 10, Jean-Kevin Style Club, vous faites ce que vous voulez, vous faites un crew. Les seules règles, c'est que pour que je mette le lien en description, il faut juste qu'il y ait le logo du crew, donc Get Out Kikou. Alors, essayer de faire un truc assez joli, quoi, mais bon, Get Out Kikou, c'est déjà super cool. Et le sigle JKC. Voilà. Vous pouvez faire ce crew. Si vous faites un crew comme ça, vous m'envoyez un mail sur Jean-Kevin, Jean-Kevin-GTAO@netcourrier.com et vous me dites, vous mettez comme titre crew à valider. Ok, vous mettez un titre qui parle bien des crews parce que je reçois beaucoup de mails, donc il faut que ça me tape dans l'œil. Crew à valider et je vérifierai si le crew est conforme. Et s'il est conforme, je le rajouterai dans la description. Alors évidemment, avec cette technique, ça va faire que on va pouvoir avoir 10, 15, 20 crews. Maintenant, le problème, c'est que s'il y a 20 crews, je pourrais pas être dans tous les crews à la fois. Mais évidemment, j'ai réfléchi à quelque chose. Je me suis dit que les gars qui créent des crews, il faudrait quasiment obligatoirement que vous soyez dans un des autres crews où je suis. En gros, par exemple, si quelqu'un décide de créer un crew, un nouveau crew Jean-Kevin, ok, je le valide, je le mets dans le lien de la description, mais ça serait bien que cette personne qui dirige ce nouveau crew soit déjà dans un des anciens crews de Jean-Kevin. Ce qui fait que ça permettrait de faire des liens entre les nouveaux crews et les anciens crews, ce qui permettrait tout simplement que bah, de jouer avec moi, même si vous n'êtes pas dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous n'êtes pas forcément dans les mêmes crews, ça permettrait de croiser des crews. Comment dire? Par exemple, quelqu'un qui a créé son crew, qui a un crew avec 200 personnes, Jean-Kevin, mais qui est aussi dans le Jean-Kevin Side Club 1, qui est blindé, bah, s'il n'y a pas assez de monde il pourra mélanger dans les invitations de parties, il peut créer des parties et inviter les gens du crew de Jean-Kevin 1 et de son nouveau crew. Ce qui fait qu'on va pouvoir mélanger les crews. Et ce qui fait aussi que les joueurs, même si vous n'êtes pas dans les premiers crews, vous aurez aussi plus de chances de me rencontrer. Parce que moi, par exemple, dans le nouveau crew, c'est compliqué un peu. Crew, 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 crew Stiba. Bon, il y a des crews partout. Dans le nouveau crew, donc le Jean-Kevin VIP Club, quand il manque de monde, moi je vais piocher dans les autres crews. D'accord? Je vais piocher dans le Jean-Kevin Style Club 1, le 2, le 3, le 4, etc. Je pioche dedans pour inviter des gens. Et là, les gars, je peux leur dire, je peux très bien vous dire, vous voulez essayer de rentrer dans le crew VIP ou on fait des activités ensemble, on mélange vraiment les joueurs de chaque crew. Voilà, c'est une technique pour mélanger les joueurs de chaque crew. Donc voilà, n'hésitez pas à créer des crews et on va tout faire pour que tous les crews s'entremélangent. Voilà, puis après, voilà, on va faire un essai. On n'est pas sûr que ça marche, tu comprends ce que je veux dire? On n'est pas sûr que ça marche, mais en tout cas, on va essayer de faire ça. Voilà, alors laissez-moi réfléchir 2 secondes. Partons de l'optique. Moi, je m'appelle Michel Boulanger. Je suis Michel Boulanger, je suis dans le crew 1. Non, je suis dans un nouveau crew. Mais j'ai un ami à moi qui est dans un autre crew, qui est dans le crew 1.
Et dans mon crew, il n'y a pas grand monde de connectés, mais j'ai aucune chance de jouer avec Jean-Kevin. Eh bien, si, par exemple, dans le cas où moi, j'ai pas assez de monde sur le Jean-Kevin VIP, je peux inviter quelqu'un du crew 1. Et si le gars du crew 1, c'est aussi ton poteau parce qu'il est aussi dans le crew X, eh ben, il pourra t'inviter, parce que je fais des sessions sur invitation maintenant. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose. En tout cas, vive la vie, vive les cacos. Et voilà, et à bientôt. Moi, je vais aller me baigner parce que l'eau, elle a l'air super bonne. À plus, les potos!